Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale ouverture d'un tripack double danger. Alors la team magma et la team aqua, avec un jeton spécial que j'ai choisi, team aqua. Il y avait aussi team magma, mais j'ai préféré prendre celui-ci. Alors comme vous voyez, il y a deux boosters team aqua et un team magma. Et je vais vous faire lire ce qu'il y a au dos. Donc choisissez votre équipe et jurez-lui loyauté. Donc il y a 3 boosters avec 7 cartes, 21 cartes en tout et 6 brillantes. Donc il y a 2 brillantes dans chaque paquet. Avec le logo de la team Aqua ou de la team Mama, blablabla, blablabla. Donc voilà comment c'est. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Hop. Donc je vais ouvrir le paquet et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le tripack. Donc on va commencer par le jeton. Je vais essayer de bien mettre la lumière pour vous faire voir. Bref, il a des reflets bleus. Je trouve très très joli. Hop. Hop, un petit papier. Alors, quoi de neuf dans l'extension du JCC Pokémon, double danger, team Aqua et team Magma. Ça me fait vraiment penser à ma première carte Pokémon, parce que ma toute première c'était un Démolos, je crois. Non, Malos, oh je ne sais plus. Et c'était team Magma, ma toute première. Donc là c'est la liste, et là c'est les crédits. Hop. Donc ça je vais mettre à côté. Alors ça c'est un code online, je vais le garder, on sait jamais. Et alors vous m'excuserez, je vais pas ouvrir les trois, je vais en ouvrir que deux parce que je veux en garder un dans ma collection et ne pas l'ouvrir, vraiment essayer de pas l'ouvrir parce que j'ai du mal à les garder. Parce que c'est vraiment tentant quand t'as un booster, enfin t'as vraiment envie de l'ouvrir quoi. Donc celui-là de droite, il est mieux découpé au niveau du haut, donc je vais garder celui-ci. Hop, je vais le mettre à côté. Donc, on voit Groudon et Kyogre. Donc, je vais commencer par lequel? Allez, je commence par Kyogre. J'ai vraiment pas envie d'abîmer le booster, donc je vais l'ouvrir avec le ciseau, ça sera plus prudent. Je vérifie bien que les cartes sont en bas. Je ne spoil pas. Un plat. Je pousse. Alors, merci à Pikami parce que je trouvais pas ce qui est la combinaison qu'il fallait faire. Donc j'ai regardé sa vidéo et j'ai su. Voilà. Un 2, un 2. Donc, un premier. Alors là, c'est le logo de la série. Hop. Voilà. Là, c'est la team Aqua. Tanmorph, qui écoute ce que dit la team Magma. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. J'arrive pas à parler, excusez-moi, il est tard. J'aime vraiment beaucoup les illustrations, je les trouve belles. Enfin, c'est pas commun quoi. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Traiena, niveau 100. Oh. Oula. Obali. Ouais, je trouve vraiment cool les illustrations. Spire de la team Aqua. Base secrète de la team Magma. Diffuseur Aqua. En reverse. Et la rare. Oh, Camers en holographique. Il est vraiment joli. Hop. Donc voici, ça c'était le premier booster. Et le deuxième, Groudon. J'aime aussi beaucoup l'illustration. Tiens, je vais vous faire lire le dos d'un booster. Je ne vous l'ai pas fait lire tout à l'heure. Voilà. Donc je vais aussi l'ouvrir avec le ciseau. J'espère qu'il sera un petit peu plus chanceux celui-là. Parce que franchement, les seules ouvertures que j'ai faites,
J'ai acheté je sais pas combien de boosters points furieux et j'ai jamais eu d'ultra rare ni rien. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. Mais bon. C'est comme ça. Oh, dommage, je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu abîmée. Ça se voit pas trop, mais c'est sur le côté. Alors, 1, 2, 1, 2. Hop là. Oh, Mediena, la team Magma. C'est Vipère contre Mangriff, la team Aqua. Un Fogler, bah tiens, on a eu toute la série d'évolutions. On a eu Obali, Fogler et Kemmers. Anim, team Magma. Super Bowl de la team Aqua. Elle est vraiment jolie. Passe secrète de la team Aqua en reverse. Et est-ce qu'on aura de la chance ou pas pour la dernière? Moi, j'y crois pas trop. Hein. Mais bon. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Oh mon dieu. Waouh. Oh mon dieu. C'est la première fois depuis. Attends, j'étais en CM hein, quand j'ai tiré une ultra rare. C'est la première fois que j'en ai une autre. Waouh. Kyogre X. Cette carte, mais elle est magnifique. Oh, je suis tellement chanceuse sur ce coup-là. Ah, je suis contente. Ah, ouais. Oh, elle est magnifique. Faudrait vraiment que je trouve une pochette pour la mettre. 190 PV. Un pack à quoi? Fais la mise au point, s'il te plaît. Appareil photo. Voilà. Oh, bah, j'ai bien fait de dire que j'y croyais pas. Parce que là, ah, enfin. Le nombre de boosters que j'ai dû acheter avant de tomber sur une comme ça. Waouh. Elle est toute lisse en plus. Elle est vraiment belle. Oh bah je suis hyper contente. Vous savez quoi? Ça y est, j'ai réussi ma journée. Juste pour vous faire voir le nombre de boosters que j'ai acheté. Là il y en a moins. Allez. Facile avec ceux que j'ai jetés. Entre 20 et 30 j'en ai acheté avant de tomber sur... Oh bah je suis vraiment contente, vous savez quoi? Wow. Alors on va résumer, je vais vous faire voir les reverse et les rares. Oh bah là, franchement, ouais. Alors, dans le premier booster, on a eu en reverse diffuseur Aqua. Que je trouve vraiment cool. Ouais, c'est vraiment, elles sont vraiment jolies ces cartes là. Je crois que ça va devenir ma série préférée. Et le Kemmers en holographique. Qui fait une attaque... Pas double blizzard. Et dans le booster Groudon. Je pense que... Je sais pas si... Lesquels... Oh, j'arrivais pas. Je suis tellement fatiguée, excusez-moi. Je ne sais pas ce que les gens disent. Si c'est Kyogre ou Groudon le plus chanceux. Mais moi... Ouais, maintenant c'est Groudon, quoi. Alors, base secrète de la team à quoi? Et notre magnifique qu'on a eu tout à la fin. Je veux vraiment pas l'abîmer. Elle est vraiment belle. Le dessin, il est magnifique, quoi. Ouais. Oh, je suis vraiment contente. J'espère que cette ouverture vous a plu. Franchement, enfin oui, voilà. Je vais pas arrêter de me répéter. Je suis vraiment contente, donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir, et à vous abonner. Je suis contente que des gens me suivent, ça me fait plaisir. Et bah, passez une bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine!